Bon, comme Thomas il est pas là, c'est l'Alger qui lance le JDR. Mon album Moonlight est disponible sur toutes les plateformes. Gros album, gros featuring, Jules, SCH, Alonso, Franglish, Taina, NASA. Bonne écoute, streamez ça fort et bon JDR. Tu fais la 2, tu fais la 3, je fais la 1. À la une, le featuring Aurel San Niño, bah oui, je le fous à la une, quoi. Enfin, pardon, c'est quand même un putain d'événement. Je veux dire, rendons-nous compte, le retour des deux, là, ensemble. C'est un single d'appel pour la compilation Nos Limites. Et là, bon, ah, toutes les limites, elles ont été franchies, elles ont été dépassées, toutes les limites. Réseau, Nekfeu, dubitatif ici, circonspect, et on l'est tous, parce qu'un tweeto a dit « Oui, il va sortir en juillet un nouveau projet nommé Apollo ». Ok, mec, d'accord. Apparemment, ce serait peut-être une sorte de gros best-of, quoi, 4 vinyles regroupant des choses, des trucs, et la source, c'est son disquaire au tweeto. Voilà, alors est-ce qu'on peut faire confiance à un disquaire? Bah oui, parce qu'un disquaire a ses sources, évidemment. Quand t'es dans la discance, tu sais des choses que les autres ne savent pas. Mais comme quoi, on peut être un disquaire et une belle poucave. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on choisit de lui faire confiance à ce disquaire, oui ou merde? Fais-moi confiance avec. Je vais te le livrer, fais-moi confiance. Rof a créé un embouteillage sur les Champs-Élysées samedi soir. Des gens l'ont célébré, voilà, le respect du peuple et le pueblo, ça n'a pas de prix. Peut-être 135 euros d'amende quand on est pendant le couvre-feu, mais enfin, ça c'est une autre question. Et puis, quand on passe sur Média Avenir juste derrière, voilà, le jeu envoie la chandelle, ça vaut le coup. Les plus grands classiques de la chanson française revisités par le Duc. Aujourd'hui, Booba nous interprète Ella Ella de France Gall, un standard de variétoche qui fait peau neuve. Take Max cette semaine nous a donné du grain à moudre quant à son prochain projet qui s'appellera Indisponible. Ça sortira le 2 juillet. C'est déjà disponible en précommande. Il nous a teasé un petit peu les invités du projet en floutant leur visage sur un teaser vidéo. J'ai personnellement l'habitude de reconnaître des potes anonymisés dans 90 minutes enquête, donc ça n'a pas fait un pli. J'ai cru reconnaître Yvick, Franglish et Chansco, mais on nous le dira, le destin nous le dira. On verra. Content du service public, monsieur? Excellent. Taiki Gazo, ce serait une connexion chante, mais non. Taiki a dit Gazo, si il y a quoi que ce soit, tu peux poser dessus. Et voilà, emballer c'est peser, il y a juste à mordre à l'hameçon en fait. Si Gazo et Taiki peuvent se réunir, donner un petit truc doux amer, voilà, je vais voir ça de mon vivant. J'espère que t'es bien préparé. Ah, quelle chaleur, les vidéos de la semaine. Booba et le clip qui devrait faire polémique est resté. Kekra a lâché Pull Up 2.0 qui annonce une réédition de son projet Kekra, et c'est le 30 juin. L'Algérino a envoyé LG63 de la drill sous autotune, bah j'aime le concept. On a les disques d'or, on a du Gucci d'or, on rentabilise, rentabilise, on a pété le score. Lilo 8 et Alpha One sont des stuntmen cascadeurs. La Fouine et Koffs, billets de 500, bah comme un rouleau de printemps en fait, hein, les billets. On a vendu la baie d'Apia Vla Tequila. Malgré tout, on a rendu fier à l'Ouelida. Old P Barode en solitaire. Solitaire, j'barre au solitaire. Fais ma solitaire. Ouais, on sait plus qui t'es. Cobaye au boy dans un immense bassin pour cramer. Ils disent qu'à R, mais moi je sais qui me déteste. Ils disent à R, mais c'est qui nous déteste. M'en bats les R, de toute façon, moi je les faudais. Ils vont parler, mais c'est qui vont rien faire. LVZ noie son chagrin de love dans Malade. Bois de soleil, j'ai ma taille, on est sous Jack. Y'a l'oseille, mais sommeil, il est pas là. Dans ma tête, on est plein, ça me rend malade. Au laser, mis à lâcher FSR6, toujours plus de violence. Quotidien salé, sale, ce but mon salé, sale. Je vais ouvrir mon salon, H24, mon salaire, mon salaire. J'ai doublé mon salaire, salaire, j'ai doublé ma scala. Dalla a lâché sa nouvelle Presta, Liberia. Je connais ma pièce, les vis de mes potes, j'ai chacun ce qu'il aime. Ouais. J'écris à gramme, c'est aucun dilemme, y'a que sur crâne de skinette. Un peu de bif, un peu de buzz, un peu de haine. Média, Vladimir Parian, DST, Le Motif et Izili ont aidé Alonso pour un son en une heure. Criminel, j'ai le pif, ça va. Oh, ça va faire son bonhomme de chemin cette histoire. Et on ne revient pas si tu es parti. Posé dans le bang, j'ai des allures de criminel. Pour le lancer,
lancement de son nouveau parfum Son of the Brave, incarné par Skepta, Diesel Parfum organise un concours de jeunes freestylers, voilà, des jeunes diamants bruts comme vous qui me demandent qu'à être poli, que vous puissiez saisir votre chance à pleine main. Depuis le 14 et jusqu'au 28 juin avec la plateforme participative Share Your Sound, vous pouvez enregistrer un freestyle d'une minute sur la thématique du courage avec une instru Bouncy qui vous est proposée par Diesel Parfum. Puis la marque va sélectionner 10 finalistes, il y aura donc les 10 sons des 10 finalistes sur la plateforme Share Your Sound, vous pourrez voter, eux pourront partager leur freestyle et in fine le public choisira le grand winner du 5 au 15 juillet. Le grand vainqueur sera annoncé le 16 juillet, il va gagner la possibilité d'enregistrer un single en stud avec des gens compétents autour de lui en tout professionnalisme, mais également de rencontrer Skepta, ça c'est grave hip-hop, et si vous voulez participer, il y a un petit QR code qui s'affiche, il vous suffit de le scanner en fait tout bonnement. Maes a accordé un entretien à GQ, il parle de son nouvel album qu'il a fini à moitié, sauf que le patron d'Universal a annoncé qu'il allait sortir à la rentrée, donc Maes va devoir tenir des délais très très serrés, il va passer un bel été assurément. Également, il fera encore 3 projets puis disparaîtra de la circulation, retraite avant les 30 ans, fructification de biens immobiliers notamment, une vingtaine d'appart, pourquoi pas, pendant que j'essaye d'optimiser mon 25 mètres carrés en mettant un dressing pour séparer la chambre de la cuisine. Et l'activité médiatique, elle est bouillante de baisers. Maichi, comment il va? Comment tu vas? Ça va, mec? Écoute, ça fait longtemps que je suis pas venu, je suis pas venu les mains vides. Atletico Nachos, maillot. Mais t'es frais à la mort, putain, Uber Eats, Atletico Nachos. Mais tu vas être frais aussi, est-ce que tu vas l'enfiler? Mec, j'enfile tellement fort, j'adore le guacamole et les nachos, je peux rentrer dans l'équipe? Tu rentres dans l'équipe, question, est-ce que tu nous supportes jusqu'au bout? Mais mec, mais tellement, j'aime le Mexique. Tu ne changes pas d'avis? Mais non, c'est mort. Ok. Sachez que le match de food est disponible sur les chaînes de Julien Beats et sur la chaîne de Vince Sky. Et donc, Atletico Nachos, merci mon Gia. Ouais, carré. On est ensemble. Vas-y. On s'attrape très vite, on est ensemble. Donne-moi ce que je méritais plus, il me faut plus qu'un paquet. Vente. Green Montana avec Melancholia 999 a écoulé 1603 copies de son projet. 19 en téléchargement, 1584 en streaming. Gros vendeur de CD, gros vendeur de... Album La Mif, écoutez, énormément de projets qui sortent cette semaine parce que véritablement, la légende. Moi, on m'a dit bouscapé, professionnel, truc sérieux. Ouais. Tu manges des chips? J'aime bien les nachos, ouais. Non, mais c'est une plaisanterie. Pourquoi? Qu'est-ce que... Ah oui, toi, t'as une autre... Ah ouais, d'accord. Ah, Pokéball Club. En plus, mes mecs, j'adore les Pokéball, en fait. Saumon, riz, tout est bien calé. Tu sais quoi, je préfère manger des chips, c'est sec. C'est dégueulasse. Ouais, fous-moi ça, ouais. Allez, ok, je le prends. Djibril Cissé, la légende, les amis, n'oubliez pas, tout est disponible sur la chaîne de Julien Beats, sur la chaîne de Vince Sky, match de food, Uber Eats. Sois équilibré, mec, sois équilibré. J'essaye, on passe à la suite. L'Algérino a sorti son album Moonlight. Koba a envoyé la tape Cartel Volume 1. Brave a livré son projet Parachute. Nelly a publié Tattoo. Slimka a lâché Tunnel Vision. Dabs a sorti Ange Déchu. Squadra a sorti Guadalajara. C'est rien, c'est la rue, mouvement saison 2 est disponible. Kidaki a balancé son EP Grand Line. Tedax Max envoie Forme Olympique Middle Season. Elia a publié son EP Océan. Point G, un petit son d'été, non? Allez, let's go, c'est parti. C'est Némir et Lala Ace FME, ça sent le cul et le monoï, on y va. Ça fait plaisir. C'est aussi sur le projet 7 titres de Némir qui s'appelle Aura, voilà. Un petit EP, très très sympathique. On y va, on est en alerte jaune sur Paris. C'est parti, c'est FME, 24 degrés. Mais moi je te donne mes nouvelles. Elle veut son visage, la sent bizarre. T'as besoin de mots sur son visage, moi je n'y sens. Allez, fais-moi kiffer. C'est fini, le commentaire ici, Tim qui dit Thomas, chaud de faire un battle de danse avec Fred de Sky. Mec, évidemment, on organise ça très très vite, un tournoi avec tous les animateurs rap. Ensuite, on se quitte avec le son de la semaine. C'est Guy de Besbar featuring Limps Level, disponible dans les playlists Bouska Bangers, dans les playlists Bouska Hits, et évidemment, sur C'est Rien, C'est la Rue, Mouvement 2, et on se voit la semaine prochaine, et on like, et l'on comme, et dingling donc les cloches, et bon week-end à tous. Il suffit de s'impliquer, il suffit de s'impliquer. Il suffit de répliquer, oh, c'est des fatigués. Nous c'est la qualité, pas la même mentalité. Il suffit de maîtriser. Je veux savoir, est-ce que tu vas l'enfiler? Je vais l'enfiler fort, mec, je vais l'enfiler tellement fort. Tu n'es qu'un beau maillot. Bah, mec. Je te regarde depuis, je te demande une massa. Je te laisse mon produit, on t'a pas banni. T'en vaut pas la peine, le bigot est pas là.